Alors, le SAS, c'est le 15 quelque part. Hein. Le SAS, c'est l'évolution de la régulation médicale du SAMU, en n'étant pas uniquement basé sur l'aide médicale urgente, mais en y associant la médecine générale. Pourquoi ? Parce que on sait très bien que beaucoup de personnes se précipitent vers les urgences pensant avoir un problème de santé qui relève des urgences. Or, lorsqu'on a l'apparition de symptômes de façon urgente, ce qui veut dire une urgence, eh bien, la plupart du cas, ça peut être simplement quelque chose qui doit être traité par un médecin généraliste et qui sera mieux traité par un médecin généraliste que par un service d'urgence surchargé. Le service d'accès aux soins, donc le SAS, c'est le principe d'une porte d'entrée unique pour toute personne qui considère qu'elle a une situation d'urgence. Porte d'entrée unique qui va orienter vers différents types de réponses, vers les différents parcours de soins les plus adaptés à la demande. Et cette adaptation du parcours de soins à la demande, elle est faite par un médecin régulateur qui, classiquement dans les SAMU, est un médecin régulateur urgentiste, mais qui, dans le SAS, va pouvoir être un médecin régulateur généraliste, voire un psychiatre, voire pourquoi pas un gériatre. C'est la mise en place de sites pilotes à l'issue des travaux du pacte de refondation des urgences, travaillé avec la ministre Agnès Buzyn. Et ces 22 sites pilotes ont été mis en place il y a un peu plus d'un an maintenant et sont amenés, après une phase d'évaluation, à se généraliser, c'est-à-dire que toute la population française, actuellement c'est 40%, mais toute la population française, tous les départements vont déployer ce service d'accès aux soins. Le SAS, c'est différentes filières hein, qu'on a au niveau du SAS. Ça peut répondre toujours de la filière de l'aide médicale urgente et de la médecine générale. Mais s'y greffe au fur et à mesure des filières, comme la psychiatrie, que nous sommes en train de déployer et qui a déjà été mise en place à Lille et à Rennes, par exemple. Également le centre antipoison, comme à Bordeaux. Également des réponses sur la plateforme territoriale d'appui, comme à Poitiers. Donc on voit qu'il y a des possibilités qui sont extrêmement étendues. En ce qui concerne le SAS Moselle, on a pu constater une augmentation d'un peu plus de 20% de l'activité, sans augmentation parallèle de passage aux urgences. Donc on considère que le SAS joue son rôle, d'autant que les appels pris en charge par nos collègues médecins généralistes, qui représentent 6 appels sur 10, hein, qui sont orientés par ce professionnel qui décroche en premier niveau, eh bien les appels majoritairement ont pour réponse un simple conseil médical, qui n'est pas d'aller aux urgences, et c'est un des objectifs du SAS. D'autant qu'actuellement, nous avons une situation qui est extrêmement critique au niveau des services d'urgence, avec au moins 1,5 à 2 établissements qui ont un service d'urgence en France sur les 600 et quelques, qui sont en grande difficulté et qui sont en phase de fermeture par manque de personnel. Donc la régulation médicale apparaît comme une solution extrêmement pertinente pour continuer à garantir la qualité de la prise en charge, essentiellement dans les situations d'urgence vitale ou d'urgence fonctionnelle.